choisi de parler du Maroc et de sa culture parce que je crois que le rayonnement du Maroc dans le monde et plus particulièrement en Europe, dans ce lien entre l'Europe et l'Afrique, où le Maroc occupe véritablement une place centrale de pont entre les deux, me paraît essentiel. Et faire rayonner la réalité autre que simplement celle de la beauté des vacances, des plages et du soleil et du repos, mais véritablement des réalisations qui sont faites pendant 20 ans, me paraissait quelque chose qui doit être connu, qui doit être partagé, et c'est également partagé par la diaspora marocaine répartie en Europe et dans le monde. Donc voilà pourquoi, avec passion, j'ai essayé de faire passer ce message aussi aux autres Européens, à mes amis et aux autres concitoyens.